Trignano, hameau de Santa Cesarea Terme, c'est une communauté de 1800 personnes qui conserve intact le charme de la Provence salentine, simple, chaleureuse et accueillante. La campagne conserve encore les mémoires du passé, notamment un tronçon de pavé romain en basalte, probablement lié autrefois à l'axe viaire Traiano-Calabro. Le centre historique du village attire l'attention des visiteurs à la recherche des beautés historiques artistiques. L'architecture religieuse est représentée par l'église paroissiale, dédiée à la Visitation de la Vierge, construite en 1806. L'église rappelle la grandeur du style rococo et s'inspire au système architectonique de la fin du XVIIIe siècle. En face de l'église, dans la place Vittorio Emanuele, exactement au centre du village, se dresse majestueuse la colonne votive Osanna, parmi les plus anciennes de l'arrondissement. Dans le domaine des constructions ecclésiastiques et de la dévotion populaire, très intéressantes sont les chapelles de Saint-Joseph et de la Vierge de Constantinople. Cette dernière, connue aussi comme Sainte-Loia, pour l'ancienne présence de l'hôtel votif dédié au Saint-Évêque Eligio. L'église de Sant'Antonio est au contraire des constructions plus récentes. Elle a été construite en 1938 par les frères Migiano pour accomplir un vœu de la mère. Datant du début du XXe siècle, très importante est l'église de l'Immacolata Concezione, dénommée par les fidèles église de la Confrérie. Dans le territoire limitrophe de Santa Cesarea Terme se dresse l'église de la Madonna dell'Idri. Datant du XVe siècle, elle est liée à l'ancienne dévotion paysanne de la Vierge de l'Eau, ou Idri, du grec Hydro. La campagne qui entoure Giaffignano est majestueuse et riche d'une architecture rurale millénaire. Les oliveraies séculaires et les murets des pierres sèches, silencieusement, protègent le patrimoine historique de cette communauté du Salento méridional.